madness. Sheer madness. Ici, là. Ah ben, je sais pas non plus, mais je sais quand je reviens, c'est trop bien, c'est trop bien. Là, on est à Shelly Beach et on vient de partir de Manly, South Stain, et on vient de faire 750 mètres dans l'océan. Aujourd'hui, il y a un peu de vagues, mais pas trop. Dans l'eau et on va kiffer, faire un peu d'exercice. Il est 7h30, un peu moins de monde qu'en été, mais quand même. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Motivation, méditation. Toujours le grand projet de me lever le matin et pas toucher mon téléphone et faire de la méditation. Ça n'arrive jamais, mais par contre, je vais nager et c'est ma méditation quoi. La ville qui se lève comme ça. Il est 5h. Manly s'éveille. Manly s'éveille. Chercher mon argent. Et justement, en parlant d'heure, alors toi, c'est ton truc l'heure un peu, c'est ça hein? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Thank you. De l'or noir, monsieur, de l'or noir. Du Vegemite. Du Vegemite, Vegemite, mate. Ça, c'est la, c'est le carburant des Australiens. T'as pas en fait du sport, tu prends ça, et t'as une pêche, mais tu peux même pas imaginer. C'est mieux que le Red Bull. Beyond Australian Elements, mate. C'est une montre suisse, mais australienne, parce qu'en fait, dans chaque montre, tu gardes un morceau d'Australie. Donc là, tu vois la terre rouge, c'est magnifique avec le noir là, la montre. Et celle-là, elle est vraiment, alors, vraiment australienne. Elle te donne les marées, si c'est marée haute, marée basse, et les phases de lune. Pour les gens qui sont comme nous, hyper proches de l'océan, et tout le monde est proche de l'océan en Australie, on vit tous auprès des côtes, enfin, la majorité des gens, et on est toujours au contact des éléments. Comme tu as pu voir ce matin avec la nage, qu'on nage, qu'on surfe, qu'on court, qu'on fasse plein de choses. Quand j'habitais à Genève, je me levais à 8h45 pour être au travail à 9h et je ne pouvais pas imaginer de faire du sport le matin. Et quand on me disait en arrivant d'Australie, les gens ils se lèvent à 6h30 pour aller faire du sport. Je suis à 6h30, mais ils sont fous ces gens là, mais je vais me lever à 6h30. Et maintenant je me lève à 5h30 et je kiffe grave. Ça fait 7 ans. 7 ans que je démarre Bozelle. Mais je travaille à côté. Ça fait en fait 4 ans que je suis dessus à temps plein. Et c'est un kiff tous les jours. Tous les jours, je me pousse et j'apprends. Et je suis un ancien directeur financier. Quand tu es directeur financier, tu demandes à des gens de faire. Tu prends les spécialistes dans chaque chose pour faire le travail. Parce que tu n'es pas un spécialiste et tu as l'argent. Et quand tu es entrepreneur, tu fais tout toi-même et tu apprends tout toi-même. Et c'est génial. C'est génial de pousser dans des directions où tu n'as jamais été. Apprendre à faire un site internet, apprendre à faire parler de ta montre, devenir un vendeur, devenir un petit personnage public parce qu'il faut être à la télévision quand on t'invite, dans les journaux. Ça, vendre ta marque sans vraiment la vendre, mais c'est parler de passion, mais c'est apprendre tout ça et sur le tard et c'est tous les jours et cette nage m'aide à ça. Des fois je me prends un sujet dans la tête, je me dis tiens qu'est-ce que je ferais là et j'essaie de le résoudre dans l'eau et tous les jours tu te pousses, tous les jours, il n'y a pas un jour où tu n'apprends pas quelque chose quoi. C'est génial, c'est génial.
Ah ben, j'ai pas d'autre mot qui me vient en français, mais looking forward to come here with my kids, c'est faire cette nage avec eux, ça serait vraiment, vraiment un gros kiff. Déjà, je le fais avec Alex, ma femme, et on le fait ensemble de temps en temps, quand elle est en vacances, et elle devient aussi accro. D'ailleurs, elle peut pas normalement la semaine, et quand elle n'est pas en vacances de l'université, et ça lui manque. Et là, elle se réjouit d'être nouveau en vacances pour qu'on puisse de nouveau la faire ensemble. Et c'est un plaisir tout particulier. C'est bien avec vous, les copains, mais avec ta femme, qui n'a pas l'habitude de ça et qui te dit pendant des années, mais t'es malade de te lever, pourquoi tu vas dans l'océan? Et qu'elle vienne et qu'elle se dise, mais attends, mais je comprends, j'ai envie de le faire, je suis accro, je peux le refaire demain avec toi. C'est bien, c'est un achievement, quoi.